Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment se déroule une séance type de marche nordique. Une séance de marche nordique dure généralement entre 1h30 et 2h. Au-delà de 2h, le corps se fatigue et la concentration pour maintenir le bon geste diminue. La séance type que nous vous proposons dure 1h30. Elle se compose de 3 phases essentielles: l'échauffement, la pratique et l'étirement. Premièrement, l'échauffement. Toujours bien s'échauffer. Un bon échauffement doit durer au moins 15 minutes. Le but de l'échauffement est de préparer progressivement votre corps, muscles, cœur et articulations à l'effort. Le principe est d'effectuer des mouvements qui activent les muscles et les articulations sollicités en marche nordique. Un bon échauffement prévient les blessures et vous met en condition pour tirer un maximum de plaisir de votre pratique. Deuxièmement, la pratique. Mettez-vous en jambes en marchant à rythme moyen, entre 5 et 6 km/h, pendant 20 minutes. Faites une pause de 5 minutes pour vous réhydrater, tout en restant debout. Ensuite, repartez en accélérant le rythme. Tenez une vitesse de marche de 7 à 8 km/h pendant 20 minutes. Faites une deuxième pause de 5 minutes pour vous réhydrater, tout en restant debout. Enfin, repartez sur une marche de rythme moyen, entre 5 et 6 km/h, pendant 10 minutes. Cela vous permet d'amener progressivement votre corps à un retour au calme. Troisièmement, l'étirement. Cette partie clôt la séance en douceur. Pour que vous en tiriez tous les bénéfices, elle doit durer au moins 15 minutes. Le but est d'étirer les muscles qui se sont contractés pendant l'effort afin de les décontracter et de les assouplir. Un muscle décontracté et assoupli est un muscle qui ne vous fera pas mal et qui gardera toute sa réactivité. N'hésitez pas à ajouter aux étirements des moments de respiration lente pour plus de détente. Maintenant que vous savez comment se déroule une séance de marche nordique, il ne vous reste plus qu'à vous lancer.